Of a white Christmas. Oh, je me dis, mais où était le passé <laughs> Ah là là, quelle ambiance celle de Noël à 8 h 10 sur le plateau de votre Télématin. Bonjour Isabelle. Ça Bonjour fait quelques Laurent. jours qu'ensemble on n'arrête pas de parler de consommation, des modes de consommation et c'est vrai que ça y est, on est parti, il y a les illuminations partout, les sapins se dressent, les lumières sont allumées et on commence à faire nos emplettes. Alors, pourquoi s'y prendre <laughs> si tôt et dès maintenant eh bien, tout simplement, Laurent, parce que l'impact économique de Noël reste intact. Selon la dernière étude Opinionway, 89% des Français achèteront des cadeaux à cette occasion. Alors, c'est vrai, c'est 4% de moins qu'en 2012, mmh. mais ça reste tout de même une très forte majorité. Et comme la consommation va aller. Crescendo jusqu'au 24 décembre, trois eh Français sur quatre se montrent prévoyants et réalisent dès maintenant près de la moitié des achats, tout simplement pour limiter les facteurs de stress qui sont en magasin, ah bah, la cohue, la caisse, ah. <laughs> le risque de rupture de stock et sur Internet, la crainte de ne pas être livré à temps. On achète plus sur Internet aujourd'hui qu'en magasin Les deux, mon général. <laughs> on achète autant. autant. Pourquoi Tout simplement parce qu'on veut profiter des avantages de tous les canaux. Ça veut dire en clair, les chiffres, 72% des Français vont se rendre en magasin pour pouvoir toucher le produit et repartir avec. Et parallèlement, eh bien 65%... Aussi acheter sur internet, de plus en plus d'ailleurs directement sur tablette ou sur smartphone, à temps perdu par exemple dans les transports. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que traditionnellement, début décembre, on a un, un pic de transactions avec carrément des centaines de millions d'euros ah oui. d'achats en ligne. Bah, ce qui veut quand même dire qu'effectivement, le magasin traditionnel est un peu en perte de vitesse. On pourrait le croire, mais en fait, non, parce que même si la distance à parcourir ou le trafic peut rebuter, en fait, le magasin en dur pour l'instant reste gagnant. Il est le lieu le plus approprié. D'abord parce que eh bien, le, le conseil et le service Paquet Cadeau offrent un, un vrai plus. Et puis, pour 33% des consommateurs, se rendre en magasin, c'est s'immerger dans l'ambiance noël et trouver l'inspiration pour faire plaisir à ses proches. En fait, vous savez, si les, les petits et les grands mmh. magasins investissent des budgets aussi importants dans la décoration des vitrines, c'est bien parce que la magie de Noël, fort heureusement, opère encore. Et puisque vous savez tout, vous savez combien on va dépenser cette année. Alors cette année, en prévisionnel, mmh. hein, le budget alloué pour les cadeaux est de 342 euros. Oui, c'est 12 de moins qu'en 2012, baisse du pouvoir d'achat oblige. Néanmoins, même réduit, ce budget s'insère de façon tout à fait incontournable dans les dépenses euh, de décembre. Il représente environ la moitié du budget global de Noël, si l'on ajoute bien sûr les frais liés au repas, de, de, au réveillon, oui. et bien sûr au déplacements pour rejoindre la famille. Et les achats, c'est d'abord pour les enfants Oui, absolument. Ah. Il Moi, reste prioritaire... Parmi tous les achats liés aux fêtes de fin d'année, le poste cadeau de Noël pour les enfants est le dernier que les ménages acceptent de réduire. Ainsi, en 2017, 68% des 3-11 ans ont reçu au moins cinq jeux ou jouets pour Noël, pour les deux tiers offerts par la famille proche, c'est-à-dire les parents ou les grands-parents. Et on a même 75% des mmh. parents qui déclarent avoir dépensé la somme, une somme identique à l'année précédente. Et bien évidemment, c'est la rédaction de la liste au Père Noël qui déclenche les achats. Alors, justement, euh, vous connaissez le Père Noël euh, personnellement, vous savez que quelles sont les attentes des enfants euh, si Alors, donné... ce que m'a dit le Père Noël oui. pour cette année, <laughs> c'est en fait que eh bien, les jouets traditionnels se portent bien, ils ont le vent en poupe, comme par exemple euh, des poupées, hein, de toujours les poupées, euh, ça, ça marche toujours très bien, les jeux de société. Et puis, on a aussi euh, euh, pour les garçons, les figurines, euh, les jeux d'action qui sont toujours très demandés. Et parmi les innovations prisées, on a cette année euh, coffrets ou jeux de construction à l'effigie héros sorcier. Ouais, c'est Noël quoi. Exactement. C'est Noël, vous avez raison, et en dehors de l'aspect religieux, tout oui. le monde s'accorde à reconnaître Noël comme une, une sorte de trêve générale, une parenthèse festive et lumineuse qui éloigne des soucis des quotidiens, qui rapproche des familles parfois désunies et qui valorise les échanges et la générosité, et ça le rend pardon. Mais c'est toujours ça de prix sur un monde qui manifestement se montre parfois un peu dur.